Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Laval et j'ai rendez-vous avec Fabrice De Marcolino. C'est parti! Bonjour Fabrice. Bonjour Aïm. Bah écoute, ça nous fait plaisir d'être ici chez toi. Je vois que tu es en famille. Toujours. Toujours. Ouais, parce que ça va un peu dans mon éducation. Je n'ai pas été élevé dans la solitude. Donc ici, je suis toujours bien entouré de ma famille qui sont très proches de moi. Ce qui me permet d'avoir la force, quand je suis sur le terrain, de renverser les montagnes. Par rapport à Laval, donc les ambitions de Laval, aujourd'hui, c'est quoi? Mais déjà, Laval, c'est le maintien. Parce qu'au niveau du budget, c'est pas une des grosses équipes, c'est pas un des gros cadres de Ligue 2 comme Nantes, Le Mans ou Monaco. J'ai eu une saison dernière très difficile avec 13 mois d'absence. Aujourd'hui, j'ai un bon niveau technique qui me permet aujourd'hui de reprendre la compétition, d'être efficace en club. Pas encore en section parce que je reprends à peine. C'est vrai qu'en club, déjà, j'ai marqué des points et je continue à marquer des points. J'espère que ça va continuer pour qu'en fin de saison, je puisse avoir des statistiques qui me permettent soit de prolonger ici, soit d'avoir mieux ailleurs. Il faut que je continue à bosser. Pour le moment, je suis sur la bonne voie. J'ai fait les efforts à tous les niveaux. Donc logiquement, il n'y a pas de raison que si je reste dans cette optique-là, hygiène de vie et sérieux, il n'y a pas de raison que dans le travail, il n'y a pas de raison que je ne retrouve pas mes 100%, voire 120%. Donc on peut compter sur toi d'ici 2 mois pour la CAN alors? Ah oui, mais de toute façon, moi je me prépare pour. J'espère que je serai dans les 23, que je n'aurai pas de pépins physiques, je touche du bois, que je n'aurai pas de soucis majeurs. Mais si tout va bien, que je suis dans les 23, ben c'est clair que je ferai tout pour reprendre présent comme j'ai pu le faire lors du peu de temps qu'on m'a donné en 2010. De ma petite expérience en sélection, je sais que les choses ne s'improvisent pas au haut niveau. Parce que la CAN, c'est le haut niveau. On va affronter des meilleurs joueurs africains qui jouent dans des très grands clubs, Chelsea, Arsenal et consorts. Donc aujourd'hui, on ne peut pas venir avec l'improvisation ou avec des joueurs, comme disait Fabien Barthez, que tu ne peux pas jouer une Coupe du Monde avec 10 sélections. Je ne dis pas qu'aucun jeune ne peut, si, il y a toujours des surprises, 1-2. Mais tu ne peux pas faire toute une équipe en compétition officielle comme ça, majeure, avec 10 nouveaux, 11 nouveaux, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Daniel Cousin, Stéphane Nguema et Ernest sont importants pour l'équipe. Mais ils sont plus qu'importants. Là, tu cites Daniel, Stéphane et Ernest, mais il y en a d'autres qui ont été peut-être bannis aujourd'hui, comme Paul Kessani, qui était à Istres l'année dernière, qui a fait 2 ans à Istres, qui est reparti en Israël. Il y en a plein d'autres. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, je ne suis pas là pour militer pour X, Y ou Z. Je suis là pour apporter à mon pays. Les Gabonais sont en train de voir que le président, le chef de l'État, aujourd'hui, a mis les moyens sur l'équipe nationale, a décrété l'union sacrée et tous derrière les Panthères. Donc ils savent que les moyens ont été décrétés. Donc aujourd'hui, nous les joueurs, on n'aura pas d'excuses. Tout le monde attend ça et ils espèrent que l'équipe réponde présent. Et si nous, sur le terrain, on répond présent, je peux vous garantir que ça fera partie des meilleures compétitions qu'il y ait eu en Afrique. Parce que je connais le peuple gabonais comment ils sont. Je préfère que ce soit inquiet maintenant que pendant la CAN. Moi, ça ne me fait pas peur. Aujourd'hui, le danger serait qu'ils aient trop de certitudes et qu'on déçoive pendant la CAN. Si tout le monde est à son niveau, avec ce qu'on a fait en 2010, je pense qu'on est capable de le refaire. De le refaire. Et voir, de refaire mieux qu'en 2010. Quand tu marques, pourquoi tu dis Mabouja? Ça veut dire quoi Mabouja? C'est un surnom qu'on avait donné à mon père quand il jouait en fait. D'accord. C'est mon père qu'on a appelé comme ça et maintenant eux aussi m'appellent comme ça parce que j'ai remplacé mon père quoi. Quand tu frappes au but, hein, et tu dis Nazamba Gotti. En fait, Samba Magoti, c'est un truc du Gabon si tu veux. Et généralement, les gens appellent les grosses frappes des Tsamba quoi. C'est-à-dire des mines si tu veux. Tes prochaines vacances, Fabrice? Au Gabon, comme d'hab. Dès que j'ai un petit temps, je rentre au Gabon me reposer, me ressourcer tranquillement. Après, je peux faire un passage vite quelque part, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'aimerais bien aller à Dubaï. Ouais. Alors, Dubaï ou Gabon? Dubaï et Gabon. Ta musique préférée? J'écoute un peu tout, mais plus la musique africaine, notamment la musique de chez moi. Et j'aime bien aussi le coupé décalé et la musique. Je suis plus dans la musique africaine. Ouais. Plutôt Nyombe ou le coupé-coupé? Aucun des deux. Eto ou Drogba? Les deux.
supporters du Gabon, allez en avant pour la victoire, équipe nationale.